Logiquement. Ouais. Attention. Le mec avec les lunettes, il kiffe, hein. Il ouais. Là, genre, il se dit non, c'est pas bien, je sais pas quoi. Vous gardez les yeux fermés. Complètement détendu, complètement relâché. Merci de les applaudir. Alors là, nous sommes sur le point de terminer. Il me reste encore 5 minutes ? Oui. Nous sommes sur le point de terminer. Comment s'appelle ce café ? Le Moulin à Café. Et on termine toujours par le final. J'adore terminer comme ça. Ça va vous montrer le pouvoir de votre esprit subconscient. Le pouvoir de votre esprit subconscient. Toutes les personnes qui sont complètement relâchées, complètement détendues, dans un instant, au compte de trois, je vais vous demander de vous de revenir à vous pour la dernière fois. Et lorsque vous aurez ouvert les yeux, lorsque je vais vous serrer la main, vous allez ressentir une sensation de plaisir. Ça intensifie. Et plus je vais vous serrer la main, plus je vais vous tenir la main, vous secouer la main, et plus cette sensation de plaisir va s'intensifier, va s'approfondir. De telle façon que bientôt vous allez ressentir l'orgasme. L'orgasme le plus intense, l'orgasme le plus bruyant que vous n'ayez jamais vécu ni ressenti dans toute votre vie. Et plus je vais chez les enfants, et plus je vais vous secouer. Plus cet orgasme va s'intensifier. Le plus merveilleux que vous m'avez jamais ressenti. La personne que je touche ici. Je peux prendre le deuxième degré quand même. Plusieurs représentations. Très très bien. Et dès lors que nos mains vont se séparer, dès lors que nos peaux vont se détacher, les peaux de nos mains, vous allez revenir à vous, complètement éveillé. Vous serez détendu, merveilleusement détendu, et vous vous souviendrez tout ce que nous aurons fait ensemble ce soir. Et ça va vous faire rire. Ça va vous mettre dans une forme vraiment géniale. Vous allez vous sentir bien, merveilleusement bien. De telle façon à ce que ce soir, vous aurez envie de continuer de profiter de cette soirée. Car vous réalisez que vous vous sentez bien, merveilleusement bien. Vous allez passer une soirée merveilleuse, merveilleusement détendue, merveilleusement relâchée. Et ce soir, dès lors que vous allez rentrer chez vous et que vous allez toucher de votre tête votre oreille, vous allez plonger dans un sommeil profond. Vous allez immédiatement dormir. Et vous allez passer la nuit la plus profonde, la plus réparatrice que vous n'ayez jamais vécu. Ça va vous ressourcer, ça va vous donner toute l'énergie nécessaire pour reprendre votre activité demain. Et demain, matin, vous allez vous réveiller 5 minutes avant votre heure de réveil normale, en pleine forme. Vous allez vous sentir bien, merveilleusement bien. Et pour l'instant, lorsque nos mains vont se toucher, lorsque je vais serrer votre main, vous allez ressentir le
de votre vie. Et dès que l'orque de main vont se détacher, vous allez revenir à vous complètement conscient. Normal, présent. Vous allez vous souvenir de tout ce que vous avez fait pendant cette soirée. Ça va vous mettre dans une joie. Vous allez vous sentir vous merveilleux. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Revenez à vous. Ouvrez les yeux. Revenez à vous. Très, très bien. Merci. Merci d'applaudir. Alors, qui se souvient du prénom de la jeune fille? Laetitia, merci. Tu t'es bien amusée. Non, c'est pas Laetitia. Ah, c'est toi, Laetitia. La personne qui est là, c'est... C'est quoi, quoi? C'est quoi? Je préfère que tu t'assoies. Donc, c'est Nadia. Qui connaît Nadia? Voilà, elle est venue avec une amie. D'ailleurs, c'est en liquide, hein, le paiement. Non, non, je plaisante. Dans ce cas, merci. Tu t'es réveillé. Merci de plaisir. Merci d'applaudir Pierre, elle a été vraiment géniale. Il y a eu une étude d'hier, mais c'était une merci d'applaudir Pierre, c'est vrai. Encore des applaudissements. Laetitia. En tout cas, merci. Très bien se passer, tu sais. Ne lâche-toi. Beaucoup d'applaudissements pour les personnes qui sont touchées. C'est la Colette. Alors Colette, tu es venue avec des amis. L'ami de Colette. Colette a été formidable. J'ai en fait, à cause de l'embrasement, en fait, j'étais un peu obligé de te tourner le dos. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, merci. Au revoir. Ça vient pas d'un seul coup. Hein. Il faut que j'en elle va arracher le rideau. C'est bien que ça secoue. C'est... Ah ouais, c'est comme ça. C'est discret. On a vu tous les étapes. Merci d'applaudir Colette, s'il vous plaît. Merci.
Merci, merci. Ça va? Bon, c'est normal parce qu'on revient à la surface, effectivement. C'est un petit chose. Mais je pense que c'est tout très bien. Est-ce que vous allez tous sur la vidéo ou la photo? En tout cas, c'était très très bien. Merci. Oh. Alors, les garçons. Alors. Ça va, hein, on va rigoler quoi. Alors, je termine par les garçons parce que c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. En fait, je parlais de magnétisme. On a tous du magnétisme. Et en fait, notre magnétisme, ce qu'il faut savoir, et ça c'est la vérité, fonctionne sur certaines personnes. Chez les garçons, et donc les garçons, le magnétisme fonctionne un petit peu mieux. Sur la jambe féminine, ça se vérifie en fait à chacun de nos spectacles. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ah, c'est mais bien, ça. Les garçons, ça peut fonctionner également. Quand ils sont bien. Alors, ce que j'aimerais dire, les personnes qui sont devant, faites attention aux projections. Charlotte, est-ce que tu as des parapluies, s'il te plaît ? Bon. Tu t'appelles comment ? Stéphane. Est-ce que quelqu'un est venu avec Stéphane ? Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment très très sympa. Ok. Là, c'est important. Il vient de se passer quelque chose. Je vous expliquerai après. Les réactions du subconscient. Okay. Ce sont des réactions naturelles. Moi-même, je des réactions. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une suggestion qui s'est proposée à sa personnalité, à son métier. On vous entend pas. Il y a eu, alors, je viens de donner une suggestion qui était à l'opposé de sa personnalité, de ses valeurs, de ses valeurs, de son éthique. Donc là, il y a une réaction naturelle, normale, mais qui est propre à cette personne. Okay. Donc, en fait, la suggestion est passée. Donc, tout simplement, en fait, elle va sortir. Là, il est déjà un petit peu sorti, mais elle va sortir. Progressivement de cet état d'hypnose au fur et à mesure que le temps passe et après les choses vont revenir tout simplement. Et en tout cas j'aimerais qu'on applaudisse. Alors c'est la dernière personne. Ah la dernière, pour être sûr. Merci d'applaudir Jean-Jacques. C'était intéressant. Je m'appelle Julien. Merci d'applaudir Jean-Jacques, s'il vous plaît. Question.